Vu tout le monde, c'est sous les 100 trophées. On se retrouve aujourd'hui pour se faire Once Shall Remain. Donc aujourd'hui, du coup, on va se faire cette épreuve-là, du coup. Alors pourquoi on va se faire cette épreuve-là? Tout simplement pour le Nouvel An chinois. Et oui, parce que du coup, je vais faire une vidéo sur le Nouvel An chinois. C'est la première fois que je fais une vidéo. C'est la première fois hein, que je fais une épreuve sur le Nouvel An chinois. Et du coup, pourquoi on fait cette épreuve-ci? Parce que dans cette épreuve-ci, il y a tout simplement un thème événement chinois. C'est-à-dire que cette épreuve-là a tout simplement le thème sur l'événement chinois. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah si on va faire ça, on va faire cette épreuve-là. Parce que du coup, bah, il y a le thème dedans. Donc bah, pourquoi pas. Justement. Alors du coup, nous, on va prendre cette voiture-là. Qui a été customisé exprès pour justement, j'ai fait un petit peu de customisation avec les nouvelles vanités du nouveau Motor Pass, et puis du coup, ça fait qu'on a une belle voiture. Hein. Elle est pas mal ma voiture. Hein. Donc vous voyez, regardez, quand on rentre, on voit déjà des structures là-bas, comme là. Voilà, bah, c'est ce genre de structure-là justement. Ok, c'est parti. La première étape est une course à travers le Golden Gate. 8 voitures, un champion et un seul mot d'ordre. La vitesse. Allez, montre-moi ce que cet hypercar peut faire. Donc, bon nouvel an chinois, du coup, hein. À tous et à toutes. Hein. Je remontais souvent la I5 pour passer le week-end à San Francisco à l'époque où je participais aux courses depuis Los Angeles. Les rues sont vides aujourd'hui à cause du nouvel chinois. Alors profite-en. Donc comme j'ai dit, hein, j'ai fait cette épreuve-là parce qu'il y a un thème chinois dans cette épreuve-là. Les autres épreuves ne bénéficient pas tout simplement d'un thème comme ça. Et donc je me suis dit, tiens, c'est pas mal en vrai, du coup. On va faire ça. Donc là, c'est-à-dire que vous allez avoir trois vidéos. Hein. Vous allez avoir une vidéo sur cette épreuve-là. Ensuite, vous allez avoir les portes de Chinatown. Et ensuite, vous allez avoir Year of Tiger. Voilà, donc ça sera ces trois épreuves-là. Donc cette épreuve. Ensuite, l'autre épreuve, il y aura un montage parce que bah, l'autre épreuve, elle est dans le Summit. Parce que le thème de l'épreuve, le thème tout simplement du Nouvel An chinois est uniquement que dans le Summit, donc forcément il y aura un petit montage. Bah, comme vous savez comment je fais le montage, hein. Comme à Noël et puis à Lille, hein, ça sera le même type de montage. Mais il y aura besoin de faire le montage qu'une seule fois parce qu'il n'y a qu'une seule épreuve qui n'est pas en fin de compte indirectement en freeride, hein, finalement. Donc c'est bien parce que finalement, indirectement, ça nous rajoute une épreuve supplémentaire. Finalement sur le Nouvel An chinois sinon sur le jeu. Bah, cette épreuve là étant donné qu'elle est tout le temps présente sur le jeu, bah oui ça va rajouter ça finalement à vie. Donc c'est vraiment bien. Alors c'est pas partout, alors là l'événement chinois on ne le voit pas partout, mais à quelques endroits on le verra, mais pas partout, mais on le verra, mais à des endroits. Mais, voilà. Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, l'événement chinois, on le voit quand même assez fréquemment dans cette épreuve-là. Et dans les autres épreuves, pas du tout, justement. Et je me suis dit, tiens, on va faire ça. Et ça permet de profiter encore en plus de cette nouvelle épreuve, qui est la fameuse, nouvelles épreuves qui sont sorties sur le jeu. Donc je me dis, tiens, on va en profiter pour faire ça. Enfin, pourquoi pas, en vrai, honnêtement, c'est pas bête, non? Du coup. Donc voilà. Vous me direz, du coup, ce que vous en pensez de cette vidéo tout simplement événement chinois parce que c'est pas que une épreuve hein. Là je fais cette épreuve après j'en fais encore une autre hein. Fais attention. Et oui après j'ai fait encore deux épreuves sur le tel événement chinois justement et donc ça sera une vidéo je sais pas combien de temps elle va durer mais honnêtement elle va durer 20 minutes peut-être je sais pas trop hein, honnêtement. Ouais peut-être une vingtaine de minutes. Ou peut-être pas, enfin j'ai une vingtaine de minutes, hein. Ça dépend, là par exemple ça fait 3 minutes qu'on est en train de courir hein, avec la voiture, enfin courir, hein. On est en train de faire la course. Hein. Donc à voir, hein, peut-être, justement peut-être que la vidéo va faire sur l'astrologie chinoise, l'année du lapin commence aujourd'hui. Les lapins sont synonymes de rapidité et de
dirait donc que l'année commence sous de bons auspices. À Los Angeles, les courses se déroulent sur des autoroutes à 5 voies et le long des boulevards privés. Ici, à San Francisco, c'est sur les collines. Beaucoup de pilotes échouent dans cette ville. Mais je sais que tu aimes les défis. En plus, cette voiture-là, je la conduis jamais habituellement. Donc voilà quoi. Et pour la Saint-Valentin, bah, je sais pas vraiment s'il y aura un vieux en rapport avec la Saint-Valentin, mais normalement, le 14 février, le mardi 14 février, normalement, il devrait y avoir aussi une vidéo. Puis après, bah, faudra peut-être attendre, malheureusement, peut-être à Halloween. C'est vrai qu'en ce moment, ça va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Hein. Bah, cette vidéo-là, pour le coup, c'était pas prévu que je la fasse de base. Mais c'est un rajout, hein, j'en sais rien. Mate-moi ça, les feux d'artifice du Nouvel An. J'espère que t'as apprécié cette petite balade, parce qu'une fois dans les montagnes, ça sera une autre paire de manches. Maintenant, on va se faire les portes de Chinatown. Donc, encore une fois, joyeux Nouvel An chinois. Donc cette fois-ci, on va se faire notre deuxième épreuve, tout simplement, sur le Nouvel An chinois. Donc comme j'ai dit, il y aura un petit montage vidéo qui permettra de lancer directement le Nouvel An chinois, parce qu'il s'agit que là, si on fait l'épreuve telle qu'elle est maintenant, il n'y a pas tout simplement le thème événement chinois. Mais par contre, avec un petit montage, et ben là, en haut, là, c'est comme si je lançais l'épreuve depuis le freeride et l'épreuve se lance en thème événement chinois. Mais il s'agit que ce n'est pas le cas, c'est justement pour ça. Que là, avec un montage, vous allez voir, vous allez rien y voir justement. Port de Chinatown, du coup. Écoute ce que dit ton moteur et tu vas tout déchirer. Avec notre toute nouvelle voiture, tout simplement, c'est parce que ça a une restriction et je n'ai pas le choix de faire l'épreuve tout simplement du Nouvel An chinois sur le summit pour avoir les petites décorations avec les lampions. Donc vu que j'ai pas vraiment le choix de participer au summit, donc à l'épreuve du summit, mais avec un montage vous verrez pas du tout que c'est en rapport avec le summit. Hein. Ouais, vous aurez même pas la différence, mais moi c'est un montage qui fait que et ça va me prendre un certain temps pour faire ça. Alors il s'agit que cette vidéo, pour qu'elle voit le jour tout simplement le jour du Nouvel An chinois, c'est un petit peu galère en vrai de faire de sorte que cette vidéo sorte un jour du Nouvel An chinois, parce qu'au moment en fait où je parle, c'est assez laborieux et même assez compliqué potentiellement de faire sortir cette vidéo aurait pu ne pas voir le jour honnêtement dimanche. Normalement c'était pas prévu et c'est un contenu qui est en plus finalement de ce que j'ai fait. C'est la première fois que je fais le Nouvel An chinois sur GoPro 2. Et vu que c'est la première fois que je fais le Nouvel An chinois sur GoPro 2, et bah j'espère en tout cas que dites-moi si ça vous plaît que je fasse le Nouvel An chinois sur GoPro 2, parce que c'est la première fois que je le fais là justement. Voilà. Donc dites-le moi tout simplement là. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette vidéo et est-ce que l'année prochaine, voulez-vous réavoir finalement le Nouvel An chinois un peu dans ce style-là, justement. Si vous voulez, bah, je le ferai aussi. Parce que c'est vrai que cette année, hein, j'avais prévu hein, de faire le Nouvel An chinois, mais je ne savais pas que c'était aussi... Je pensais pas que c'était déjà là, le Nouvel An chinois. Donc alors, je pensais juste que c'était dans l'année, mais je pensais pas que c'était déjà le 22, je crois que c'était le 22 ou hein, je sais plus le 24. Je vais pas dire mes bêtises, mais bon, je pensais pas que c'était déjà là quoi. Je pensais qu'il y avait encore quelques semaines qui se passaient encore. Mais bon. Vu
du coup voilà, ça fait que je suis un petit peu en retard. Enfin, ça va encore parce qu'on est mercredi pour que la vidéo sorte le dimanche. Mais il s'agit que vu que je vais avoir beaucoup de vidéos à vous faire pour la présentation de la mise à jour, pour The Crew 2, c'est un peu compliqué. Maintenant, on va se faire la dernière épreuve simplement pour le nouvel an chinois, Year of the Tiger. Donc, c'est tout simplement notre dernière épreuve, tout simplement. Pour le nouvel an chinois. Donc, cette épreuve est sortie l'année dernière, si je dis pas de bêtises, hein, je crois, hein, que cette épreuve du nouvel an chinois était sortie l'année dernière, justement. Et donc, du coup, bah, on l'a fait en dernière position. Parce que du coup on a commencé par des nouveaux trucs. C'est vrai que les deux nouvelles épreuves c'était nouveau. Et celle-ci c'est la dernière. Donc indirectement oui. J'ai commencé par des événements finalement nouveaux. Pour finir finalement par un événement qui est ancien. Mais c'est vrai que ça va faire vraiment une belle vidéo. Qui était même pas prévu de base. Hein, qui sorte dimanche. Enfin, c'était pas prévu du tout que la vidéo sorte, sorte dimanche. Parce que. J'avais prévu qu'il y avait un événement chinois, mais je ne savais pas quand c'était. Et donc forcément, je suis un petit peu sur les... Enfin, mais voilà, hein, je suis un petit peu pressé pour vous faire cette vidéo. Auquel cas, cette vidéo ne verrait jamais le jour. Hein. Enfin, elle le verrait le jour, mais pas le dimanche. Donc, estimez que je me suis dépêché vraiment pour que vous puissiez la voir. Elle est vraiment pas mal cette épreuve là. Moi je l'aime bien en vrai cette épreuve là, elle est vraiment super jolie. Pour moi c'est l'une de mes préférées en vrai, c'est la ma préférée d'épreuve hein, pour le nouvel an chinois. Ah, c'est ma préférée parce que c'est une véritable épreuve et l'événement chinois. Les autres il y en a, mais celle-ci c'est la plus jolie on va dire. Et l'ambiance, je trouve que l'épreuve de ces épreuves là c'est la meilleure ambiance. Hein. Après c'est vrai que la nouvelle épreuve qui est sortie, oui, l'ambiance est super bien, c'est pareil, c'est super bien, mais ça dure pas tout le long de l'épreuve, hein, donc je dirais que celle-ci c'est la meilleure parce qu'elle dure tout le long de l'épreuve vraiment. Le nouvel enchaînement justement dure tout le long de l'épreuve, c'est pour ça que je trouve que celle-ci, l'épreuve est la meilleure. Voilà, mais dites-moi, quelle est la meilleure entre les trois épreuves tout simplement du nouvel enchaînement? Laquelle des trois épreuves vous préférez? Moi personnellement je trouve que c'est celle-ci. L'ambiance, hein, vraiment, vous avez vu l'ambiance est vraiment magnifique. Une belle customisation que j'ai fait sur ma voiture aussi. Je me suis un peu dépêché, hein, vous avez dit, pour faire cette vidéo-là. Je me suis tellement dépêché qu'honnêtement je ne savais pas du tout si ça allait arriver dimanche. Mais comme quoi, ça va arriver dimanche encore. Hein. Bah, finalement c'est un peu une vidéo surprise hein, cette vidéo là. Parce que bah oui finalement c'est une vidéo surprise. Hein. C'est vrai qu'en termes de feux d'artifice, l'autre elle est mieux parce qu'il n'y a plus de feux d'artifice. Je sais pas du tout combien de temps la vidéo va durer, hein, honnêtement.
Je sais pas vraiment combien de temps elle va durer, mais elle va durer, je pense, un petit moment. Parce que c'est vrai que finalement, ça nous rajoute une nouvelle épreuve finalement cette année. Indirectement, c'est vrai qu'indirectement cette année, le jeu nous a rajouté finalement une nouvelle épreuve sur là où ils en ont chez nous, finalement. Et pour moi, c'est super, hein, parce que, en 2 années, hein. J'aurais jamais cru que The Crew 2 aurait rajouté vraiment une épreuve sur le mélange chinois en rapport avec les nouvelles épreuves, parce que c'est vrai que les nouvelles épreuves sont pas du tout dans le thème normalement, mais c'est vrai qu'ils ont fait de sorte que le début de la course commence comme ça justement. Je sais pas si ça a été quelque chose qui a été rajouté ou pas. Je sais pas si c'est quelque chose qui a été rajouté pour faire exprès justement. Je sais pas, mais peut-être que ça a été, c'était peut-être pas prévu de base, et puis quand on s'est rendu compte que c'était en rapport avec le. La prochaine fois, on se retrouvera pour se faire la Saint-Valentin, qui se trouvera tout simplement le 14 février. Donc le mardi 14 février, on se fera du coup Miami Raid, parce que dans la logique, la Saint-Valentin, c'est Miami Raid, mais c'est pas cette épreuve-là, mais ça sera l'épreuve dans le film si il doit y avoir une épreuve de Saint-Valentin normalement, mais on verra bien. Donc, et ben, normalement, dans la logique, au mardi 14 février, la prochaine fois qu'on se retrouverait pour se faire des vidéos spéciales finalement. Donc, au mardi 14 février, c'était Solution Trophée.